Salut tout le monde, c'est Salut la tout le team monde! miel. Coucou! Oh, il y a le ciel est bleu, il y a un avion. Un Des avion tout étoiles. rose. Oui, j'avoue que l'avion il est tout rose. C'est un avion fashion. Oh, il y a Mario! Il y a Oh. Papy Champi, c'est la première apparition de Même Papy Champi. l'intérieur, même l'intérieur, Et c'est tout rose, rose. tout est rose. Bienvenue à Pinkland. C'est le jet privé de Peach. Wow, Ah. ça ressemble à une étoile, mais Mais c'est c'est pas pas une une étoile, étoile. même si je vais appeler ça des étoiles. Moi aussi. C'est obligé. Welcome to the Hills of Delfino. Bienvenue sur l'île Delfino, le paris tropical où le soleil brille sans interruption. Il y a Mario qui court derrière. On l'a pas vu, hein. Mais si, là, il est en train de courir. Ouhou. Venez profiter de notre pays merveilleux, vous y trouverez les meilleurs établissements hôteliers, un parc d'attractions spectaculaire et... des fruits de mer succulents. Bah... Oh non, Mario, t'as pas le droit. Et puis on peut danser aussi, c'est ça? Regarde, même Mario il danse derrière parce qu'il a eu ses fruits de mer. Mario? T'as vu, ils ont arrêté la vidéo! Juste pour Peach, qui a du vernis à ongles rose et une bague rouge. Et un bracelet. Bah dis donc, elle a mis beaucoup de bijoux, Peach, là, ah, pour bah. partir en vacances. Bah c'est les vacances, elle doit bien représenter le royaume champignon. Ouais. Le royaume, le papy champi, il veut dormir dans une. D'ailleurs, elle s'est pas encore attachée les cheveux. Il veut dormir dans le jacuzzi! Oui, on est dans les nuages. T'as vu, on voit ouais, les Delfino qui est un... c'est un dauphin. C'est un dauphin, comme Delfino le symbolise. Bah oui. Mais bon, oui. D'ailleurs, en fait, le nom de code de la GameCube, c'était Dolphin. comme l'émulateur. Ça doit être pour ça, à mon avis, que Super Mario Sunshine... Enfin, l'île de Super Mario Sunshine, c'est un dauphin. Alors, quel fichier veux-tu prendre, Milu? C'est... Comment c'est? Moi, je voulais faire le score. Voilà, l'avion va atterrir. Bon, on a quitté une cinématique. Oh, pour regarde, la regarde, c'est juste Mario, après. C'est Mario. Oh, Mario, il a déjà tagué sa tête dessus. C'est pour qu'on voit quand il arrivera. Peach, elle est inquiète. Ah, ça y est, Mario, il est plus amoureux. Mario, en fait, il est amoureux des fruits de mer et des ananas. Je pense que c'est plutôt des ananas parce que. Ah non, il est encore amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est dégoûtant. Blablabla, il parle comme Link. C'est quoi cette jolie visqueuse? Ça bouge! Non, non, les garçons, ne touchez pas à ça! Elle a toujours pas les cheveux attachés, Peach. Mario! T'as vu Mario? Mario avec un pinceau magique! T'as vu, il y a le tout qui bouge et tout à cause de la chaleur et tout. Excusez-moi, mais. So, mes ananas! It's me, Mario, I want my ananas! Même si on dit pineapple en anglais! Je suis très inquiet pour le bien-être de la princesse sous cette chaleur étouffante. Maître Mario, pouvez-vous lui demander qu'on nous porte assistance? Oh yeah! Oh, on va pouvoir commencer à jouer, non? Mario, fais attention, j'ai un mauvais pressentiment! Moi je vais retourner dans le bateau, je vais retourner dans Mario 64! Le bateau! L'avion, pardon! Le bateau! Là, je vais rebondir sur la tête de. Personne! Ah, je suis tout dégoûtant maintenant! Ah, t'es tout sale, vite, va te laver dans l'eau! Ouais, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau! Wouhou, ouais, et voilà. Je suis propre. Wouah, wow. Un canard. Wouah, un canard. Un canard. Mise en marche terminée. Merci pour avoir choisi ce produit de Tastrof Science Inc. Regarde, tu peux rentrer ton nez dans mon truc. De l'utilisateur. En fait, mon nez, c'est une caméra. Analyse de l'identification du sujet identifié comme étant Mario. Wouah, y'a Mario qui soulève Bowser. Oh non, président du royaume champignon. Enregistrement terminé. Je suis Jet, même si je t'appellerai Flute pendant tout le let's play. Oui. J'espère pouvoir t'être utile. Oh yeah! Ah, quand je dis flûte, c'est pas flood normalement. Flood. Flood. C'est flood. Ouais, mais moi je dis flûte parce que je suis. Une grosse baka. Voilà. Non, je rigole. Mais non, tu es très intelligente là, elle. Oh bon? Mais oui, tout le monde te le dit. Oh bon, d'accord. Tu peux t'arrêter à envoyer de l'eau. Oh. Avec un jet d'eau, tu peux jeter de l'eau. Quelle innovation, Mario monsieur a Karl Stastrof. Pistolet à eau. Ou hydrocanon. Bon, hydrocanon, c'est plus classe. Regarde là. Chut, 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 l'eau, elle passe à travers Mario, il est pas mouillé. Non, il y a plus d'eau. Plus. Et plus on voyait d'eau. Tu ne peux plus envoyer d'eau. Pour remplir les réservoirs, trouve un point d'eau et appuie sur R. C'est où les boutons R? Explication des instructions terminée. Mario, il est parti.
Voulez-vous écouter une explication encore une fois? Non merci monsieur Capoeira Gaboeira, ça suffira pour... D'ailleurs, je sais pas si on peut aller chercher maintenant, il y a une pièce bleue ici, non? Ah, je pense. Je crois, ou je confonds avec l'île Delfino. Enfin, la place. C'est... Non, pas là, derrière. Derrière. Il faut aller dans l'eau. Dans l'eau? Oui, mais je sais plus, je te dis, je crois que je confonds. Non, mais là, tu vas trop loin, en fait, il faut que c'est derrière un bâtiment. Lui, là. Ouais mais non, de toute façon, on va y revenir ici, mais y'a rien, en fait, encore pour le moment. Ouais. J'ai des bêtises, alors. Pas grave. Aïe, aïe, aïe. Oh. Faut pas sauter dans le truc, ça fait mal. Oui, tu fais plein d'eau. Oh, d'ailleurs, il a pas expliqué comment il fallait faire cette attaque que tu faisais. Oui, c'est une attaque ultime, c'est l'attaque la plus puissante en fait. Faut appuyer sur R et sur A en même temps. Du coup, on fait plein d'eau et du coup, il va mourir là, il va mourir, il est déjà mort. On a battu le premier boss du jeu. Mais arrête de perdre la vie pour rien, Mario. Regarde, il est sorti du sol. Oui, il est tout dégoûtant. T'as vu, on a récupéré le sol et tout, il était à l'intérieur. Enfin, soleil, j'adore les soleils. J'adore le soleil. Et franchement, je quand je jouais à Mario Sunshine quand j'étais toute petite, j'arrêtais pas de dessiner. Allez, je vais être gentil, je vais te nettoyer. T'es tout propre. J'arrêtais pas de dessiner des soleils partout. Je voulais pas faire ça. Il est t'es pas encore propre. Non. Voilà, là t'es propre. Voilà, attends, il est content. Mais je crois qu'il te gronde en plus si tu lui parles. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, Flood? Il est bizarre là. Il était à l'intérieur de ma casquette. Mario c'est. Mario sèche. Mario c'est trop cool. Mario, c'est trop cool. Voilà, Mario, c'est trop... Bon travail, Mario. C'est un appareil bien inhabituel. Serait-ce une sorte de pompe? Je suis Jet, ravi de vous rencontrer. D'ailleurs, il dit pas Jet. I'm Flood. Flood. Vous avez le temps de fuir, là, les amis. Pourquoi vous êtes restés? La séance est ouverte. Comme vous le savez certainement, quelqu'un, sans raison aucune, défigurait notre belle île Delfino en utilisant une sorte de peinture, c'est du chocolat, la tisée est poursuivie pour avoir pollué notre bel habitat, pour avoir également mis en danger jusqu'à notre mode de vie. En effet, comment pourrait-on ignorer ce qui se passe? Objection! Bien que l'habitant de la base Delfino frissonne sous un voile de ténèbres. Les expériences ont déterminé que ces ténèbres ont fait leur apparition depuis que nos gardiens, les soleils, ont disparu de leur point de rassemblement à la porte du soleil. La raison, elle est flagrante. Cet horrible graffiti en est la cause. T'as vu, ils ont fait un graffiti. Pour ce portrait robot de l'auteur basé sur mes descriptions de témoins, la vérité est évidente. Le coupable est assis parmi nous et n'est autre que... Objection! Puis il est même pas assis, Mario, t'as pas le droit! Je condamne l'accusé de nettoyer toute l'île, jusqu'à ce que l'île Delfino se débarrasse de ses dégradations. T'as vu, c'est gentil. Oh non! Oh non! J'étais venu en vacances! J'étais venu en vacances, pas pour sauver des étoiles! Qui s'en va des étoiles, mais des... Oh, t'as vu, là je suis assis! Quelle situation difficile, Mario. Je ne le fais pas dire. Les analyses des données confirment que les habitants de l'île sont réellement affectés par la pollution. Mais la pollution n'est pas le problème principal. Mario, tu as bien vu cet objet à l'aéroport, un objet. N'est-ce pas? C'était pas un objet. C'est un soleil. Les soleils sont la source d'énergie de l'île Delfino. Normalement, ils se regroupent en grand nombre à la porte du soleil. Mais l'incident du graffiti a dégradé l'île et beaucoup de soleils ont fui. Il n'y a plus suffisamment d'énergie pour protéger le mode de vie pacifique des insulaires. Quelle situation pitoyable. La seule façon de permettre le retour des soleils est d'empêcher que l'île ne devienne encore plus sale. Le coupable est certainement en train d'agir au moment où nous parlons. Et toi, Mario? Tu es considéré comme un criminel. Demain, nous devrons faire de notre mieux pour arranger la situation. Oh, Mario le criminel. Tu es encore... Non, merci, monsieur Capoeira. Tout lourd, je ne veux pas le manquer, bon, rien. Tu dois commencer pour nettoyer toute cette saleté. Je fais ce que je veux, d'abord. N'oublie pas, on garde un œil sur toi.
Tu mens, tu vas jamais me regarder. And remember. Rappelle-toi, nous savons quand tu tireras au flanc. Bon, moi, je vais commencer à tirer au flanc maintenant, alors. En fait, voilà, c'est ici qu'il y a la pièce bleue dont je parlais et que je dis des bêtises. Ah oui, les pièces bleues, oui. Je sais pas pourquoi j'ai confondu Coucou, avec l'aéroport. Ouf, tu es en bonne santé. Ce sont des vacances de fou. La princesse est là-bas à t'attendre. Oh, tu joues de la musique, toi, t'es trop cool. Blood. Il semble que plusieurs personnes aient disparu. Et au revoir. Oh, Mario, ils t'ont relâché. J'étais sûre que tout se passerait bien. Ouais, c'est charmant, cette grosse tache d'Octorok qui ressemble à un Octorok. Bah oui. Oh non, il y a encore du poison. Le ciel est étrangement sombre. On pourrait croire à une éclipse solaire. Ce n'est vraiment pas l'idée que je me faisais des vacances. Oui, tu t'es attaché les cheveux, Peachy. C'est chaud. Peachy's got it. Mince, je sais même plus comment... Ah oui, voilà. Non, voilà, j'ai oublié comment tirer. Voilà, c'est bon, j'ai déjà oublié. Finalement, j'aurais besoin des explications... Ah! Les explications de Flood, voilà. Les explanations de Flood. D'ailleurs, ouais. Les petits machins, là, des fois, quand ils meurent, ils donnent des bouteilles d'eau. Oui. Les bouteilles d'eau, ça redonne de l'eau dans le réservoir. T'as vu, je raffronte encore une fois le même monstre. Ouais, t'inquiète pas, au début, on affronte tout le temps le même monstre. Allez, hop, ouvre la bouche. Voilà, t'es mort. Et Mario aussi. Tu veux aller sur la statue? Ouais. Princess Luke, on the statue's head. Je connais les dialogues par cœur, Lael. J'adore Mario Sunshine, c'est mon Mario préféré. Alors du coup, je connais beaucoup de... Enfin, je connais les dialogues par cœur à moitié. Hein. Oh non! Place Delfino! Je vais te manger, Peach! Ouh, ah, ah, je t'ai mangé, Peach! You mad! En plus, elle pleure, Peach! Non! C'est un enlèvement! Arrête-le en l'aspergeant dans sa fuite! Vas-y, fais-lui l'attaque de la mort! Qu'est-ce que tu fais? Des graffitis! Pourquoi tu fais des graffitis? Pourquoi t'as fait ça? Cool. Reviens là! Redonne-moi ma chérie! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où là? Il est parti où? Ah, il est là-bas en train de voler, ok. Metal Mario! Shadow Mario! Je sais plus comment tu t'appelles en français, anti-Mario, voilà. Oui, anti-Mario. Arrête de faire le boulet, arrête de faire des graffitis partout, c'est bon, on a compris que t'aimais bien écrire. En cas, je vais t'envoyer des boules de. Ah, t'es mort! Attaque Rodeo! C'est pas juste, c'est vraiment trop injuste! Tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil! Bah toi non plus, tu devrais pas avoir le droit d'utiliser ton pinceau. Si tu veux vers la place, encore plus. Ah bon? Ah bon, toi tu réagis même pas parce que... Ok. Et tu peux lui parler? Oui, normalement. Mario, je suis sûre d'avoir vu cette personne aller au pas! Eh bah elle est pas contente. Je suis convaincue qu'il est la cause de tous nos problèmes! Attrape-le! Elle fait sa tsundere, madame. Oui. Madame Peachy. Ouais, je glisse. Oh, ok, je suis triste. Il est là. T'as vu, il rigolait. Il faisait son Hilario. Non, c'est pas Hilario qui s'appelle. Je dis des bêtises. C'est comment déjà? Qui ça? Impiantissimo. Ah oui, ok. J'aurais pas été dans le premier niveau dès maintenant, en fait. Ah. Je voulais me balader un peu sur la place. Pardon. C'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave. Tu peux me taper. Non. Pourquoi? Pas la peine. T'as vu, il va se faire écraser par un rocher. Et moi, en plus, ça, quand je faisais ça, j'allais pas. J'allais pas prendre l'étoile direct, enfin le soleil, pardon. Voilà, ça y est, je commence. Et. Ah, ça y est. Bon, t'as retenu 10 minutes au moins. Pardon, monsieur. Je voulais pas faire ça. Et du coup, je disais quoi? Ah oui, moi j'allais voir Flora après. Mais bon, là, je veux pas le faire. Ah bah si, vas-y, fais-toi plaisir. Donc tu disais comment tu fais? Arrêtez de venir! Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, c'est pour l'autre déjà. Puis sur R et A. Ah oui, ok. Et pourquoi ça a fait ça? De quoi? Je sais pas. Parce que t'es en train de gâcher tout clos. Parce que t'es resté. Parce que t'appuies sur. Bah!
Non mais tu peux directement aller voir Flora Piranha là en fait. Bon tu apparais toi? Si tu veux aller la voir tu peux. Ah non, encore une plante piranha toute pleine de chocolat. Moi je disais que c'était du chocolat. Enfin je sais pas si vous, les gens vous avez déjà fait ça, c'est mélanger le danette vanille avec le danette chocolat. Et enfin c'est ce que je faisais quand j'étais petite avec ma maman. Et du coup, non, plus vraiment, j'achète plus de danettes. Mais bah dis donc, pourquoi tu rebondis dans tous les sens comme ça? Parce que, quand on mélange le danette chocolat et le danette vanille, bah ça donne ces trucs comme ça. Alors c'est pour ça, à chaque fois que je battais ce monstre, ça me faisait penser à ça. Oh, je mange de la danette. Mais oh, oui, j'attaque de la danette. Le chocolat, c'est des danettes. Du coup, là, tu peux aller chercher Flora Piranha si le cœur t'en dit, sinon. Non. Pourquoi t'as fait un demi-tour comme ça, regarde, Mario, il y a du chocolat sur le nez. Mario, le chocolat, on le mange pas avec le nez, ok? Bon, bah, du coup, on va s'arrêter déjà, là, pour la première partie. Regarde comme ils me regardent tous, là. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est la Toad. Je suis Toad vert, Toad rouge, je suis Toad Link, non, je suis Toad Mario et Toad Luigi. Oh, protection. Elle est trop forte, Peach. Eh bien voilà, au revoir tout le monde. Mario, il a nettoyé son nez, c'est bien. Au revoir tout le monde.